déjà fait ça. Pourquoi tu as écrasé les martiens? Les amis, si vous aimez notre chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour avoir chacune de nos vidéos dès sa sortie. Ciao! Olé! 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 Certains jouent en fake! Salut Internet, c'est Gamov, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Mais avant ça, je vais vous parler de celui prono qui m'aide à arrondir mes fins de mois depuis un certain moment maintenant. Bon, très honnêtement, entre vous et moi, si vous voulez faire un petit complément de salaire ou un petit peu d'argent de côté, c'est la personne à suivre, mais ça, ça reste entre nous. Je vous mets son Snapcode juste ici et le lien est dans la description, donc vous n'avez aucune excuse. Franchement, ajoutez-le, ça coûte rien. Et je pense que vous serez surpris si vous voyez de plus près ce qu'il fait. En plus de ça, à la différence des autres, vous pouvez être VIP pour 1€ symbolique. Je vous invite maintenant à lui faire confiance. Et parole de Kamov, vous n'allez pas le regretter. Bonne vidéo à tous. Je tiens également aussi à remercier les derniers membres qui ont rejoint la chaîne. Merci du fond du cœur. Vos noms s'affichent ici comme promis. Et sachez que si vous souscrivez à un abonnement, si vous rejoignez la chaîne et que vous nous soutenez, vos noms seront dans la prochaine vidéo, comme je viens de le faire aujourd'hui. Donc je vous souhaite à tous un bon visionnage et faites attention à vous. Ciao. On est fou, j'ai pas 50 000 euros. Monsieur, mais 50 000 euros. Je les ai pas. Salut Internet, c'est Kamov, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Je suis en compagnie du petit Lulu. Le petit Lulu, vous l'avez vu déjà dans les vidéos. Vous avez été nombreux à le rajouter sur Instagram. Ça va devenir peut-être la petite mascotte de Kamov. Quand je dis petit, c'est parce qu'il est tout petit. Bref, aujourd'hui Lucas va faire la vidéo avec nous. Et en fait, on a préparé des affiches, regardez, en disant que Lucas a disparu. Et on va mettre les affiches un peu partout dans un parc pour enfants. Et on va asseoir Lucas juste à côté de l'affiche pour voir la réaction des gens et pour voir si les gens y captent qu'en fait le petit qui est recherché sur cette affiche, il est juste assis à côté d'eux. C'est une expérience sociale que j'avais envie de faire. On va voir la réaction des gens et voilà, tout simplement. Donc Lucas va s'asseoir sur un banc, l'affiche juste à côté. Avant que la vidéo commence, rajoutez le frérot sur Instagram, c'est important, ça y fait gravement plaisir. Vous avez vu l'affiche qu'il y a sur le panneau et vous avez pas vu le petit à 2 mètres. Vous n'avez pas fait attention. En fait, c'est une expérience sociale. En fait, on met une, parce que moi je fais des vidéos sur YouTube et tout. Et en fait, je mets une pancarte avec le petit à côté pour voir si les gens ils font attention à l'affiche déjà de une. C'est bien d'avoir fait attention parce qu'il y en a plein qui passent et qui regardent pas. Mais est-ce que les gens voient le petit ou est-ce qu'ils y font pas attention tout simplement? Ils voient qu'il y a un truc comme ça, ils gardent la photo en tête et ils se disent bon, si jamais je le vois. Ah ouais, mais c'est vrai, quand on voit la fiche, on se dit c'est trop gros pour ça. C'est le petit qui est, juste à côté. Ah ouais, même pas je l'avais vu. Ouais. C'est fou, hein. C'est fou. Personne qui... Regardez. Regardez l'exemple. Regardez. Personne qui C'est ouf ou pas? C'est ouf, hein. Les gens, ils regardent. Il est juste à côté, gros. Et il y a personne qui capte. C'est incroyable. Ça, c'est quoi? Je pense que c'est une des meilleures expériences que j'ai faites de ma chaîne. Moi? Ouais. Lucas. Lucas? Tu as vu qu'est-ce qu'il y a là? Disparu, Lucas? C'est toi? Bravo! Bonjour. Bonjour! Bravo parce que vous avez été la seule personne qui l'a reconnu. Ah, merci! Et comme on fait des vidéos, c'est une expérience sociale en fait. Et nous, je regarde. Bonjour! Enfin, ben bravo parce que ça fait 30 minutes qu'on est là et il y a plein de gens qui sont passés et personne n'a porté cas et le petit il est juste à côté quoi. Je l'ai vu, je l'ai vu de plus, je prends la photo, je me dis gros ça. Ben bravo, bravo! Alors, j'ai dit,
s'appelle, il m'a dit Lucas. C'est ça. Franchement, bravo, et si ça se reproduit, au moins vous savez que tout peut arriver. On va voir si le capte. Vas-y, filme les suites bien. Déplace-toi s'il faut se déplacer. Ok, j'y vais. Bonjour. Vous parlez français? Oui. Ah, excusez-moi. Vous avez vu l'affiche avec le petit? Oui. Vous n'avez pas fait attention qu'il est juste derrière? Elle me meurt, mais je vous l'avais pas reconnu sur le. Je n'ai pas reconnu, c'était la coupe de chez vous. Et, ouais, regardé, peut-être. C'est plutôt peut-être. Ça. Et quand je l'avais vu, je me suis dit, bon. C'était juste une microseconde que m'a pensé que si oui. C'est lui, c'est certain que oui. Il va. Et oui, non, c'est clair. Bonjour, monsieur. Bonjour, excusez-moi de vous déranger. La pancarte que vous avez vue avec le jeune dessus, vous n'avez pas fait attention qu'il est juste assis sur le banc? Je suis parti, là. Ça va? Bah ouais. Je suis abandonné. Pourquoi tu es abandonné? Pourquoi tu es à côté de ta photo? Parce que je sais pas. Tu es ici? Ouais. Mais ils sont partis par-ci? Non. Tes parents, ils ont pas d'argent, ils te font laisser? Non, ils ont plein de sous, c'est que je fais beaucoup de bêtises. Ah oui, ils ont beaucoup d'argent. Mmh. Et ils t'ont laissé du coup. Ah oui. C'est le numéro qu'il y a dessus, c'est le numéro de tes parents? Mmh. Ah, mais bouge pas. Téléphone qui sonne. Oui, allô. C'est pas vrai, vous avez retrouvé mon fils? Ah bon? Ah non, mais vous êtes où? Si vous avez retrouvé mon fils, c'est incroyable, ça fait deux jours qu'on le cherche. Il est où, vous êtes où? On est apparemment pas très loin de chez lui. Non mais monsieur, vous êtes où? Il faut que je récupère mon fils, vous êtes où? C'est pas une bonne blague? C'est pas une blague au moins? Passez-moi-le. Passez-moi-le, je vous crois pas, passez-moi-le. Il y a des gens qui m'ont fait des canulars déjà. Passez-moi-le s'il vous plaît, je veux juste parler. Attendez, je vous le passe. Attendez. Ok. Allô. Lucas, ça va mon chéri? Ça va. Dis-moi, t'es avec un monsieur là, t'es où? Oui, il est très gentil, tout va bien. Bah, il est gentil? Et t'es où? Je viens à la maison après. Mais t'es où, Lucas? Il faut que tu me dises où t'es. Mais je viens à la maison après. Passe-moi le monsieur, il y a un problème, passe-moi le monsieur. Monsieur? Oui, bon, je le connais, il est pas dans son état normal là, qu'est-ce qui se passe? Alors, je t'explique. Moi, je l'ai trouvé tout seul. Et ma chérie, je vous dirais que mes parents, ils ont beaucoup d'argent et ils m'ont laissé parce que je suis mort. Oui, et donc. Vous êtes où, monsieur? Il faut que je récupère mon enfant. Vous voulez récupérer? Oui, mais vous êtes où, s'il vous plaît? Je vais vous expliquer. On pourrait se donner un point de rendez-vous. Oui. Je vais vous le dire honnêtement. Moi, je viens de retrouver votre fils. J'aimerais bien avoir un retour. C'est-à-dire un retour? D'argent. Mais j'en ai pas beaucoup d'argent, monsieur. Comment vous pouvez pas juste me rendre mon fils? J'ai pas besoin d'argent, je l'ai raccroché, je prends son fils. Mais j'ai pas d'argent, monsieur, j'ai pas d'argent. Écoutez-moi, dites-moi où vous êtes. Il est très bien habillé, j'ai pas l'impression qu'il manque de quoi que ce soit, je vous demande de l'argent en retour et je vous rendrai votre fils sans aucun dommage, aucun problème. Donc là, vous êtes en train de demander une rançon en fait. Je suis en train de vous demander de l'argent, après vous prenez comme vous voulez, vous pouvez appeler ça une rançon, je suis en train de vous demander de l'argent, je retrouve votre enfant. Combien vous voulez? Dites-moi. Combien vous voulez d'argent? Vous avez beaucoup d'argent? 50 000 euros. 50 000 euros? Mais j'aurais jamais cette somme. Et bien sûr, vous avez cette somme. Apparemment, vous habitez une très belle maison, vous êtes très bien, vous avez plusieurs voitures. Mais j'ai pas 50 000 euros. Monsieur, oui, 50 000 euros. Je les ai pas. J'ai pas l'argent. Écoutez, moi je sais que vous les avez, les 50 000 euros. Vous les avez pas, vous êtes sûr que vous avez pas les 50 000 euros? Je ne les ai pas, monsieur. Je vous ai tout, s'il vous plaît. Au revoir. Ne m'approchez pas. Putain, vas-y, on le suit. Ne vous inquiétez pas pour Lucas. Lucas, il sait qu'on est derrière lui.
il sait qu'il est pisté, mais il n'y a que le mec, en fait, il ne sait pas qui on est. Donc on attend de voir où il va, pour pas lâcher Lucas des yeux. Et quand il va se poser, on ira discuter avec lui et on lui expliquera la vie façon Kamov, comme vous avez l'habitude de le voir sur la chaîne. Vas-y, fais voir. Putain, ok, c'est assis. Ça va, Lucas? Ça va. Salut. Pardon? C'est quoi? C'est qui lui? Vous êtes qui vous? Monsieur. Je le connais, c'est un petit de mon quartier. Et alors? C'est vous que j'ai eu au téléphone? Non, pour quel téléphone? De quoi vous parlez? Je sais pas, mais vous êtes qui? Je comprends pas. Je suis un petit de son quartier, je le connais. C'est qui Lucas? Il y a un problème? Ouais, il m'a pris. Hein? Il m'a pris. Comment ça, il t'a pris? Il m'a trouvé dans un parc, il m'a pris. Mais tu faisais quoi? Tu étais seul? Et vous faites quoi là? J'ai appelé ses parents. Lâche-le petit. Non, je lâche pas le petit. Lâche le petit. Non. Je sais pas où il est. Lâche le petit, tu veux quoi? Je sais pas au téléphone, je vous dis. Tu connais pas ses parents? J'ai appelé ses parents parce qu'il y avait une avis de recherche comme quoi il avait disparu et du coup j'ai appelé ses parents, j'ai demandé des sous. T'as demandé des sous? Oui. Pour? C'est pour quoi faire? Pour le rendre. Et je croyais que c'était vous là, son père. Mais s'ils ont pas de sous, ses parents, je les connais moi, ils ont pas de sous. Non, c'est pas ce qu'il m'a dit. Moi j'appelle les flics. Lâche-le. C'est bon, lâche-le. Viens ici. Non mais attends. Lâche-le. J'appelle les flics, frère, qu'est-ce que tu es en train de me dire? Je suis en train de vous appeler. Je suis son voisin, je le connais, je suis son voisin. Qu'est-ce que je suis en train de te le dire. Je te le dis là en arrivant. Je connais pas moi, c'est pas vous. Les pancartes que t'as vues là. Déjà j'ai jamais parlé de pancartes. Non mais lui oui. Donc il y a des affiches. T'as vu les affiches? Oui. Que t'as vu. Et le numéro qu'il y avait dessus. Appelle le numéro, vas-y. Voilà, c'était vous donc que j'ai eu au téléphone. Donc tu vois, ça c'est mon téléphone. C'est mon pancarte. C'est moi qui les ai mis. C'est moi qui ai mis ce pancarte, je suis pas son père. Moi je fais des vidéos sur YouTube, je fais une expérience sociale. On a mis des pancartes et avec le petit assis sur un banc pour voir si les gens le reconnaîtraient. Mais j'étais loin d'imaginer qu'il y avait un fils de p*** comme toi. Tu m'as dit au téléphone, si j'ai pas les sous, je vous rends pas le petit. Donc ça veut dire que c'est un enlèvement, on est d'accord? Donc je fais quoi? J'appelle les flics maintenant? Non. Et alors on fait quoi? Je comprends pas. Je sais pas, mais on fait quoi? On fait des trucs comme ça. C'est une expérience sociale, c'est comme ça. Ah, c'est des tests, on teste les gens. Je t'attendais à avoir un truc. Mais je m'attendais à ce que les gens ils aient une bonne réaction. Il y en a eu qui ont eu des bonnes réactions, il y en a qui n'ont pas eu du tout, mais toi t'as eu la pire. Je sais pas, moi j'ai pas d'argent, je demandais de l'argent, c'est tout. Que là t'as encore filmé. Mais par c'est ça, là, ce que tu vois là, tu vois? Ça c'est un micro. Et alors qu'est-ce que je m'en fous? Mais on t'entend. T'es au courant que si je vais avec ça au flic ou je mets ça sur internet, frère, tu déménages, changes de pays, tu vas en prison. Vas-y, on va aller au flic. Non, moi j'ai un casier comme ça, gros, je peux pas aller au flic. Je m'en bats les couilles, ton casier, t'as qu'à réfléchir avant. T'as qu'à réfléchir avant de faire des conneries, de faire de la merde. T'as un casier comme ça en plus, justement, réfléchis. Allez, vas-y, trouve-moi une solution, vas-y, t'as 30 secondes. Je te laisse même une minute, c'est quoi, mais je suis gentil. C'est bon? Une minute. T'as une minute, allez, vas-y. Tu gardes ma vidéo pour toi, non, reste là. Ouais. Non, pas bon. Faux. J'ai pas de solution. Si tu veux, je te dis ça. Je vais être sûr que je recommence pas, tu comprends? Déjà, tu vas me donner ton vrai numéro, déjà, donne-moi ton numéro. C'est pas quoi te dire. La solution. Je la trouve moi. La solution, fais gaffe. Mais t'es, je la trouve. Elle va être hardcore. On est pas là, pas les flics. Temps écoulé. Ouais, mais tu veux quoi? Qu'est-ce que je veux? J'ai pas d'argent, j'ai rien. Qu'est-ce que je veux? On va trouver une solution. Mais tu vas faire ce que je te dis. Je vais sacrifier mon sac à dos pour toi. Tu veux foutre avec un sac à dos? Allez, viens. Mets-toi contre le poteau. Mets-toi, vas-y. Tiens, enfile le sac à dos. Enfile de ce côté. Vas-y, n'aie pas peur. Ça craint pas, n'aie pas peur. Allez, vas-y. Enfile. Allez. Voilà. On censure cette scène parce que sur YouTube, ça passe pas. Donc, vous avez compris ce qu'on va faire. Les amis, donc là, il a les mains attachées. Là, il pourra pas sortir. Avant qu'on parte, parce qu'on va partir, hein, t'es au courant? Et vous me laissez là comme ça? Oui, je sais pas, frère, jusqu'à ce que tu arrives à te libérer. Par contre, moi, ce que je vais faire, vu que j'ai ton numéro maintenant, je vous donne rendez-vous sur notre page Instagram. Ben si. Je vous donne rendez-vous sur notre page Instagram là maintenant. Et vous verrez en story, je vais le mettre pendant 24-48 heures. En story, il y aura son numéro, numéro par numéro. Vous êtes libre de l'appeler tant que vous voulez, jusqu'à ce qu'il change de numéro. Donc rendez-vous sur Instagram. Et tant que vous y êtes, si vous aimez notre contenu, n'hésitez pas à aimer notre page Insta. Voilà. Bon, mon ami, j'appelle pas les flics, je suis gentil, mais par contre, toi, tu vas rester ici. Mais combien de temps? Ah, ben écoute. Ouais, on va le regarder un peu. Qu'est-ce qu'il fait? Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais où il va? Oh, oh! Il est con, on est là. On est là, hein? Allô? S'il te plaît, libère-moi! S'il te plaît! Non, non. Je suis bloqué. Ouais, fallait pas monter. Je vais monter. Tu vas aller où?
T'es un fou, t'es fou, t'es fou. Kiffé, il essaie d'arracher la barbe. Ah, il fait. Fais m'en sortir. Ah, 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 ah. Allez, on s'arrache. Et ah, t'as de la chance, j'appelle pas les flics, échange de numéro. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas, comme je vous l'ai dit, et je vous le répète, allez sur Instagram et allez voir son numéro, je l'ai mis en story. Et aimez la page, il faut qu'on soit à 200 000 sur Insta. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo. Rajoutez le petit aussi sur Instagram. Et on se retrouve mercredi prochain à 18h pour une toute nouvelle vidéo. C'était Kamof. Ciao.